Ce n'est pas la maison de ton père. Ce n'est pas la maison de ton oncle. Ce n'est pas la maison de ta tante. C'est le tout puissant. Et on sait qu'à ton père. C'est ton frère qui a testé, c'est la maison de tout puissant. Pourquoi tu t'es refroidi? Il y a quoi? Nous, quand tu as un tu n'as pas encore arrivé à la porte, pourquoi tu t'es refroidi? Mais pas de tu peux pas bon nous et les choses vont me faire. Pourquoi? Nous, quand on passe encore, on t'a pas encore mis au mort, pourquoi tu es refroidi? Et on ne peut pas te faire. On t'a pas encore mis, tu n'es pas encore allé mort, pourquoi tu t'es refroidi? On peut aider mort galop à me coucou, peut-être, mais je vais faire. Quand tu vas rentrer, tu vas devenir comment? Ne va pas me couper, non, peut aller avec la non. Dis à ton frère, regarde comment on se trompe, on va aller aussi. Dis à ton frère comme ça, dis-le. Et bon, on va aller à Emile Djipoua. Glana, on ne veut pas que Emile Brignan, on veut bien Djipoua. Dis à ton frère, regarde comment on se trompe et on se dit qu'on va aller au ciel. C'est nous qui va aller au ciel, les deux mains, les deux pieds, mais regardez le fils, regardez les acteurs. Mais bon, Emile Djipoua, il connaît Fauvé, il dit à Fauvé, pour la base, il veut dire, il ne va pas que quelqu'un n'a mis là. Dieu est descendu Maudidiba. Pour les secourir. Benaya, combien, combien de personnes qui a pu aller à Amenene il est Djipo, alors là, amenene Kanao. Deux. Amenene Père. Deux. Amenene. Deux. Amenene. Il m'a bien dit. Et Mao, pour nous, le jour que je suis rentré. Le jour là, Satan se déchaînait contre moi. Et Satan a jagla qui te donne signe. Que je ne rentre pas. Ben y'a ma drague. Oh. Kai. Oui. Wallahi tala. A ou Satan ben wallahi watala. Si la la y'mi la la. Y'a ma lo. Tu ne rentres pas. Ma drague ben oh. Jamais. Bene. Quoi? Nuka. Toi. Oh, oh. Je te connais très bien. Ma bonne, là. Je te connais très bien. Mais je suis au nuet. Tu rentres, je rentre. De mes pères, madame Kouli. Les sangs ont gardé le silence. Mao de la hausse, c'est Wiko. Ni un petit mot, ni grand mot. Mais Blonyane, que crois, oh. C'est l'ange de l'éternel, ange Michel, qui est venu dire que le temps te reprend. Que le teint de repiment mette-le au paradis. Bien-aimé, je suis traumatisé. Et Satan Chaka. Non, moi, mais je suis traumatisé. J'ai dit non, maintenant je crois tout ce que les gens disent. Tais-toi! Mais je n'ai pas encore fini le mot. Tais-toi! Si je mourrais, c'est mieux. Je suis dans la main des hommes, regarde comment je suis trop. Mais les mots de la passe, ils vont me parler comme le bouddha. Satan est comme un lion qui cherche quelqu'un. Et Satan allait à Bé, j'entends ce qu'elle dit à Bé à vous. Pour être criblé comme le fromage. Bé à Bé Louane. Et tu blagues. Et le fait film. Et tout le temps. Et Garcia Gamia. Qu'on insiste quelque toi tu danses. Je fais pour lui. Oh non, la manège souvent, oui, il connaît. Je fais pour lui. On est où elle est là? Je suis là. Tu connais la profondeur du diable? Et Jesse, ça t'en appelle Goglopéa. Tu le connais? Et Nia, ça t'en appelle Goglopéa. Vous le connaissez? Demienia. Est-ce qu'on connaît? Demienia, ça t'en appelle Goglopéa. Bien aimé. Lolanto. Qui peut aller? Mais quand tu as une jupe, qui peut aller dans son royaume? Mais quand tu as une mauvaise, qui peut aller dans son ciel? Mais quand tu as une jupe, c'est pour cela ici. Et à ta haute plombe, cherchez premièrement. Midi, tu peux faire le père. Son royaume. Tu peux faire le père. Sa justice. La couleur fait chaud. Le roi de ce monde. Mais watch on lui au Qatar, on voit un peu de tsunami. Ce n'est qu'un cadeau. Oh, mais pas d'un petit oignon. Simon Pierre, c'est un pécheur. Simon Pierre est le jour là où Jésus. Il a tout quitté. Et pour les nous, ça nous dit. Matthieu, quand il a raconté Jésus. Et si Matthieu, donc, a peut-être ce soir. Il a tout quitté. Et pour les nous, ça nous dit. Il a tout abandonné. Et d'assez de nous, quand et le riche, là aussi, veut rentrer. Et au tuto, alors tuto, ham, tu viens d'être. Il a couru. Un fou, tu vois, le pas fou, 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 fou. Bon maître. Après ton nuit.
Ah, quel dois-je faire? Nous carrément même à voir. Pour avoir la vie éternelle. Afia de Chipo. Jésus qui est Dieu. Mao a plutôt ce que je dis Mawa. Il dit qu'il y a un seul qui est bon. Il s'est humilié. Regardez là où il est né. Quand nous, nos femmes veulent accoucher, regarde, on veut bénir les champs et bercer. On fait tout. Mais lui, le roi des rois, le tout puissant. Regardez là où il est né. Il dit seul qui est bon. Je ne suis pas bon. Il donne gloire à Dieu. C'est pour cela la Bible dit. Malheur à vous. Si tout le monde dit bien de vous. Malheur à vous. Jésus donne ses exemples. Pourquoi tu m'interroges de ce qui est bon? C'est Dieu qui est bon. C'est lui qui est bon. Il dit qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Seigneur Jésus dit, tu connais la loi. Après ce problème, tu ne tueras point. Aujourd'hui, combien de personnes toi et moi on a tué ardent dans nos cœurs? Combien de personnes toi et moi sont bien collés contre eux? Regardez. Combien de fois toi enfant de Dieu tu utilises le condom? Combien de fois toi enfant de Dieu tu es en train de se faire masturbation dans ta chambre, dans ton douche? Combien de fois toi tu regardes par nous? Combien de fois nous regardons ce qui est horrible? Combien de fois tu ne tueras point? Tu obéiras ton père et ta mère. Combien de fois tu respectes ton père et ta mère? Quand il est là, tu ne le considères pas. Quand il meurt, c'est là tu pleures, mon père. Tu es content que c'est bien là, on va te partager. Respecte ton père et ta mère. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne témoignes pas faux témoignages. Combien de fois si on va prendre cette parole pour me devant à la porte du ciel, qui peut rentrer? Matthieu 19. Matthieu 16. Combien de personnes peut rappeler le jour Gila? Combien de personnes? Matthieu 19, verset 16. Matthieu chapitre 19, verset 16. Je l'ai pas. Combien de personnes? Saint Jésus-Christ. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est quelque chose qui doit faire de bon. Quelque chose de bon. Pas que les gens voient. Pas que les gens voient. Quelque chose de bon. Pas que ton père va apprécier. Quelque chose de bon. Pas que ton père va apprécier. Que ça, c'est bon. Non. Non. Quelque chose de bon. Pas que ton papa va apprécier. Combien de fois tu as fait ce qui est bon à ses yeux? Pas devant les gens, devant Dieu lui-même. Pas dans ton entreprise, non. Devant Dieu lui-même. Le tout puissant. Le tout puissant. Bien-aimé, combien de fois tu as fait quelque chose qui est bon à ses yeux? Tu veux la vie éternelle, Joseph?
J'ai fait quelque chose qui est bon devant lui. Combien de fois? Oui. Il lui répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe ses commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: j'ai observé tous ces commandements. J'ai observé tous ces choses depuis mon enfance. Quand j'étais bébé, j'ai tout fait. Et je suis devenu grand. Et à son merci. Deux mois, on a fait ça. On a fait déjà ça. Lui au moins depuis son enfance. Et il a tout fait jusqu'à là. Toi et moi, on a fait ça. Oui. Il dit que lui a déjà fait ça. Maintenant, qu'est-ce que le manque-t-il? Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Le verset là, les riches n'aiment pas. Ils ont enlevé ça dans la vie d'imbécile. En tant que malade, nous nous bien aller donner les pauvres. Il y a un peu de vie. Et puis ils ont enlevé ce verset-là dans la Bible. Et les quoi? Pourquoi ils ont la Bible à main? Oh. Tous qui ont les terres, ils ont enlevé ce verset-là. Tous ceux qui ont les maisons, ils ont enlevé ce verset-là. Tous ceux qui ont mis l'argent dans le compte, ils ont enlevé ça. Ceux qui ont créé le crayon, la gomme-là, le crayon, là. Non, Blanco. Regardez les faces comme les faces des singes là. C'est quoi ça? Où avez-vous trouvé ça? Regardez la Bible là, non? Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vas-y. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent: qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Pierre prenant alors la parole lui dit: voici, nous avons tout quitté
et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs les premières seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. C'est la parole de Dieu. Paradis, 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 paradiso mau peme paradiso mau peme ole afima dram dozina amen kakwao dis à ton frère, dis-lui, tu n'es pas de terre. Tu n'es pas de terre. On le prépare pour des saints. Paradis à mes cocos. Le paradis se prépare pour les saints. Paradis à mes cocos. Le paradis appartient aux saints. Et on prépare le paradis pour les saints. Oh, toi qui parles de gauche à droite. WhatsApp. WhatsApp. Tu n'es pas dedans. Tangela. Le boiteux est dedans. Non, tangé, partagé. Ok, partagé. Homme le mort. Tu n'es pas dedans. Parce que au mariage, coupe ta Android. Un nouveau de tout. Tu attends que les gens postent les vidéos, tu vois, tu partages, tu n'es pas dedans. Et moi, je n'aime pas ça, l'embêtement. Et moi, je ne sais pas, tu n'es pas. J'étais déchiré. Sur les chaînes, tu cries, tu dis des bêtises, tu n'es pas parmi ceux qui sont pour le paradis. Tu n'es pas dedans. Non. Et toi qui caches le gari sous le lit. Tu n'es pas dedans. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu as caché le gari dans les souliers. Dans les chaussettes. Dans tes fichus. Et quand tu te couches, tu mets les trucs dans sous ton testicule. Tu n'es pas dedans. Toi, en tant que femme, quand tu t'endors, tu mets l'argent dans ton soutien. Tu n'es pas dedans. Non, c'est pas pour toi. Et toi, femme, avant de faire la sauce, tu manges toute la viande.
Et tu prends les eaux pour faire la sauce à ton mari. Mais son bien tu n'es pas dedans. Et si ton mari dit que oh, aujourd'hui la viande là, ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas avantager au poulet. Ah, c'est toi qui as tout mangé. Oh, tu n'es pas dedans. Non, tu n'es pas dedans. Non, j'ai dit que tu as dit que c'est une mytho. Et quand tu veux cotiser, tu cherches l'argent qui est lisse. Yo, j'en ai pas envie, on l'a dit, Jimmy, cran, c'est pas né. Maouya, a dit d'Akelis, que c'est le mytho, mais à son amour. Pour offrir à ta copine, tu t'en vas chercher des billets de 10 000, tout neuf. Homme la main. À Dieu, tu donnes des miettes ou bien de tout ce qui est lisse. Appelle casque 20 000, elles sont écoutées dans ces musiques, elles sont dites dans le oui. Homme la main! Et tu as acheté un casque de 20 000 francs, mais quand ta femme a faim, tu ne lui donnes rien. Elles sont 20 000, appelle casque, elles sont tontes dans ces musiques. Et tu as acheté un casque de 20 000 francs pour écouter la musique, mais ta femme n'a rien à la maison. Et tu deviens le nom, non? Et elle a mis au monde l'enfant, elle a faim. Homme, on va appeler casque. Et tu as acheté une moto et une casque. Homme les mains. Tu n'es pas dedans. Homme les mains. Tu n'es pas dedans. Homme les mains. Tu n'es pas dedans. Homme Djoka. Et tu n'es pas cotisé et tu veux fêter. Seigneur le corps. Où est-ce que tu as pris ça? Mais ce qui cotise, qui fête. Tu ne travailles et tu ne travailles pas et tu veux faire la tontine. Ah, non, tu n'es pas dedans. Ceux qui travaillent, qui font la tontine. Et les choses sont dures comme ça, les gens. Même les rats. Les rats combattent dans les maisons. Les souris bouffent l'argent des gens. Et les gens mettent leur argent dans leur porte. Qui va laisser son argent? Et la personne met l'argent dans sa main et a fait une poignée sur l'argent et la met dans sa poche. Où est-ce que l'argent va tomber? Et la poche peut être déchirée, mais la main n'est pas déchirée. Du bois. Et le ciel. Et c'est terrible. Il y a nos surpris. Et vous serez surpris. Nos surpris. Surpris. Mais quand il y a du pot. Qui va au ciel? Mais quand il y a du paradis. Abrimez tout le monde. Et c'est le malade même qui prend sa tisane. C'est pas toi qui vas parler à sa place. Et le monsieur a dit qu'il a tout fait depuis son enfance. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Qu'est-ce qu'il reste? Dis-le-moi, je le fais. Je suis chaud. Je vais aller au ciel. Je suis pressé. Mais si tu veux être parfait. Ah bon? Pour le moment, je ne suis pas complet. Je ne suis pas parfait. Depuis mon enfance, yo, le vraiment de Bibo. Et tu me demandes d'être parfait. Ah, Bibo le ko. Ah bon, comment ça? Parle. Soigne pas, roua. Ton terrain, ta maison. Vas-y. Son action, yo, la aussi. Donne ça aux orphelins et aux veuves. Et tout ce que tu as sur ton compte, fais-le. Voilà, t'es aimé. Aux pauvres, et suis-moi. Et viens sur moi. Afin que tu puisses avoir des richesses au ciel. Qui a des richesses au ciel? Qui a des richesses au ciel? Qui a des richesses au ciel? Qui? Et tu es dans ta chambre. Pousse-le et dis-le, réveille-toi, tu dors. Pousse-le. Réveille-toi. Touche ton frère, ta soeur, bouge-le.
Demande-le si bon, tu dors, est-ce que tu peux avoir des richesses au ciel? Pose la question. Un mort ne peut pas aller au grand marché. Non, un mort ne vendra plus jamais de des habits de deuxième main. Non. Distribue tes richesses afin que tu aies des richesses au ciel. On a dit paradis, la maison de Dieu, non? Et qu'on prépare là-bas pour nous. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas en train de préparer ce paradis pour toi? Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, et je ne voulais plus sortir quand j'étais rentré dans le paradis. J'ai refusé de. Et je t'ai mis aux côtés des fleurs. Et écoute les fleurs qui chantent. Écoute les fleurs qui chantent à Dieu. Et les chants sur cette terre crient qu'elles ont des voix. Si on leur donne par exemple la voix d'une fleur du ciel, ils vont marcher sur tout le monde. J'ai dit au Seigneur Jésus-Christ que je préfère rester auprès des fleurs. Et il a déposé sa main sur moi. Et il m'a dit, il est temps que tu retournes. Je faisais semblant comme je n'attendais rien. Et il m'a dit, il y a deux choses ici. Soit tu retournes sur la terre et tu annonces tout ce que tu as vu. Et après tu reviendras ici. Ou bien Satan a dit, c'est ton père qui te réclame, alors va vers lui. Alors prends, fais un choix. Il a dit tout ce que tu vois ici. Tout ce genre que tu vois ici. Tout ce que tu vois au ciel ici. Dans ma maison ici au ciel. Et ils ont mis leur vie à la place de leurs frères et sœurs. Ils ont oublié leur personnalité. Et celui-ci, on l'a décapité. Celui-ci a été brûlé vivant. Et celui-ci, on l'a donné au lion. Et celui-ci, on a menti à son compte qu'il a de la sorcellerie. On lui a donné l'acide, il a bu les morts. Amen. Comme le fou nous crée. Et il n'y a personne parmi eux qui n'a pas payé. Mais ça veut tout faire. Ils ont tous payé. Ah, mais ça veut tout faire. Ils ont tous payé. Bien en vieux, vous y avez du poids. Et pose la question à ton frère, sa soeur. Est-ce que tu veux aller au ciel? Levez-vous. Et sortez de la chambre. Et sortez tous. Non, les chaises. Dégagez les chaises. Ok, sortez. Faites sortir les chaises. Et parce que le ciel c'est une affaire de pagaille. C'est pas de la pagaille. C'est nous qui faisons de la pagaille sur cette terre. C'est nous qui perdons le temps ici sur cette terre. Et nous disons que nous sommes des chrétiens. Le ciel ne nous connaît pas. Et le ciel ne connaît même pas qu'il y a quelque part qu'on appelle la Veposo que nous sommes. Faites sortir les chaises. Et si tu veux dormir, alors couche-toi par terre. Assis-toi par terre et dors. Faites sortir les chaises. On n'est pas venu ici pour dormir. Si c'est le sommeil, on devait rester chez nous. Et ce qui se passe après la mort, c'est ce que tu écoutes. Les gens meurent. Et par terre ou sur terre, si les gens crient, il est parti au ciel. De quel ciel part-on? Si on te montre ce ciel, tu vas pleurer. Celui qui va au ciel. Amérique, comme le poids.
Tout ce que tu vois ici, et ils sont dans la grande maison. Et c'est au moment où ils étaient sur cette terre qu'ils ont envoyé ces maisons au ciel. Et c'est au travers de ceci qu'on a construit leur maison. C'est au travers de là qu'on a construit leur maison. Et ils resteront dans ces maisons d'éternité en éternité. Bien envie au chan animal à sur le dipoir. Et pose la question à ton frère, à ta soeur, si la maison a une maison au ciel. Bien envie au animal à sur le dipoir. S'il a un lot, un demi-lot, un quart de lot. Animal, on peut donner des bégots. Togo, mi te plan, animal de Togo, mais on te va plan, animal de France. Et tu n'as pas pu acheter un quart de l'eau ici au Togo. Est-ce que c'est en France que tu vas l'acheter? Ou bien Russie, ou bien en Russie que tu vas l'acheter? Ou bien New York, ne va plus. Ou bien à New York. Et sur cette terre, tu n'as pas pu acheter un terrain. C'est au ciel que tu vas l'acheter. Et que Dieu, par compassion de nous, que Dieu nous donne la grâce. Bien-aimé, si la chose est comme ça, et comme les apôtres Jacques, on les a décapités. Paul a été décapité. On les brûle. On y a peine à bien aller à bien godo. Il savait qu'il y a une vie au-delà d'une vie. Dinam. À bien aller à bien godo. À bien aller à bien godo. À bien ma vente aller dans vigne. À bien aller à bien godo. Fima jijole Agbegale agbesiagodo Fima jijole Agbegale agbesiagodo Agbe mavo dale no vinyo Agbegale agbesiagodo Loloto. Il y a une vie après cette vie. Il y a une autre vie que celle que nous menons actuellement. Il y a une vie actuelle que tu peux mener et aller en enfer. Gratuit, tu peux vivre cette vie actuellement. Crois mon ou papa aux hommes. Tu préfères un verre plus que la termite. Feu vert, peu importe. T'es quoi mon ouseau. Tu peux être ingrat comme le feu. À quoi mon ouzo? Tu peux être ingrat comme plus que le feu. Oh maintenant, bien de compromis. Oh, tu vas même refuser de donner même un franc à ton frère. Et je m'en vais aller gratuit. Oh, non, en fait, attends, gratuitement. La bouille. Et tu vas aller. La tout reggae. La et tu vas camion. Danser le reggae. Le pacheco. Tu vas danser mapuka là. La nuit. Tu vas danser mapuka là-bas. Gratuit. Et pour toutes les vies malsaines que nous menons, il faut savoir que l'enfer nous entend gratuitement là-bas. Mais le ciel, hey, tu ne peux pas aller. Non, jamais. Jamais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais bien aimé. Mais bien aimé, est-ce que nous avons le désir d'aller au ciel? Est-ce que réellement nous avons ce désir d'aller au ciel? Pose la question à ton frère, à ta soeur, si réellement elle ou bien il a le désir d'aller au ciel. Comment se fait-il que ta voix a changé comme ça? Pose la question à ton frère, à ta soeur, si elle ou bien il veut aller au ciel. Et tu parles poulou comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? On n'est pas au funérailles. Qui est mort pour toi? Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint venait, tu ne peux pas faire quoi que ce soit de ta volonté, mais il le fera à ta place. Mais comment le faire, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter en toi, c'est ça le problème. C'est une grande charge. Et dans les Jean 14. Il a dit dans Jean 14.
15 à 17. 15 à 17. Jean 14, 15 à 17. Jean chapitre 14, le verset 15 à 17. Je l'apporte dans le nom puissant de Saint Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. C'est pour cela que Pierre a dit, et le globe, nous qui avons tout quitté, qu'en sera-t-il pour nous? On a tout abandonné. Nos femmes. Nos bateaux. Mais qu'en serait-il pour nous? Et la Bible a dit qu'il serait difficile aux riches d'aller au ciel. Le riche qui a une voiture. Mais le riche qui a de l'argent, qui a des voitures, qui a des maisons, qui offre, qui n'arrive même pas à jeûner, mais qui offre à Dieu. On lui dit qu'il est impossible, il est difficile d'aller au ciel. Toi et moi qui n'avons rien, nous n'avons même pas de terrain, même là où dormir, l'argent que tu as pour offrir à Dieu même est lisse. Que pourras-tu faire pour aller au ciel? L'église primitive. Et Hamegbanto. L'église primitive. Hamegbanto. Ils vendent leur maison pour le problème de leurs frères et sœurs. Oh, ça va pas pour que l'on ne va pas nous vio. C'est le Saint seul qui peut faire ça en toi. Et quand on est capable, quoi, tiens, ouais, si à l'heure. Sinon, tout en temps normal, le Saint lâche impossible. Et ouais, mais toi, bien, si l'on va que le bonheur, impossible. Matin, ouais, ouais. Surtout la plupart des femmes. Et donc, non, leur argent, la plupart des femmes, leur argent, c'est le pipi du serpent. Quelle fois vu le pipi du serpent? Non, non, mais gars, elle avait dame mienne, elle avait dame mienne quoi? Adida? Dame adida quoi? Impossible! Dame adida, et non, mais gars. Serpent va faire pipi, toi tu vas voir. C'est comme ça l'argent des femmes. Non, non, mais gars, ça va sortir. Mouton a gueule. Quelle fois vu pipi de serpent? Mais quand il faut d'un bali de pont? Impossible. Bere. Pipi de serpent? Et d'un bali de pont? Impossible. Ah. Mais quand Saint-Esprit est là, venez pas encore coller. Il te dit pipi de serpent, c'est pas bon. Ah, comment est d'un bali de mignon? Non, pipi de serpent, c'est pas bon. Ah oui, d'un bali de mignon. Ne fais pas ça. Mais gawaya. Tu fais ça, c'est pour toi-même de l'éternité. Et ne woya, adotio, les. Tu fais ça, c'est pour toi de l'éternité. Cette veuve. Et ce qui lui restait pour vivre. Ça, il a donné Dieu. Là, c'est fini, la mort est là pour lui. Jésus a dit cette veuve. Partout on va prêcher la bonne nouvelle. On va parler d'elle. Voilà Jésus que je parle d'elle aujourd'hui. Bien-aimé, Matthieu 17, 1 à 5. Matthieu 17, 1 à 5. Ouais. Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 5. Je vais l'apporter dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée de ses paroles.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Bien-aimé. Comment Pierre, il a su que ce moyen lui, comment il a fait? Est-ce qu'il connaît Moïse? Est-ce qu'il a une faveur lui? Quand tu as le Saint-Esprit, le jour où tu es célébré, tu vas reconnaître Moïse. Tu vas reconnaître Élie. Tu vas reconnaître Élisée. Tu vas reconnaître cette vie qui a donné tout à Jésus. Et à quoi? Tu vas reconnaître ce foulard qui est la place de Jésus. Si tu es le Saint-Esprit. Tu vas reconnaître Ange Michel. Tu vas reconnaître Ange Gabriel. Gabriel. Comment Pierre peut reconnaître Moïse? Est-ce qu'il était là quand Moïse était seul? Il était là quand Élie était seul. Nous ne voulons pas avoir le Saint-Esprit. Un jour, on va voir nos pères, nos gens qui nous ont dévastés. Quand on parle du ciel, les saints nous attendent. Les anges de Dieu nous attendent. Tout est prêt. Mais nous-mêmes, on n'est pas prêts. Il y a quoi dans ce monde? Il y a quoi? Il n'y a rien. Tout est vanité. Tout est pourri. Regarde partout l'eau, Comment Pierre peut reconnaître Moïse? Comment lui peut reconnaître Élie? C'est l'Esprit de Dieu. Comment lui peut reconnaître Élie, Moïse, pour dire à Jésus, on t'a fait une tâche pour toi, pour Moïse, pour Élie. Comment lui l'a su? Pourquoi tu n'as pas soif du paradis? Seigneur Jésus, c'est toi, je te connais, c'est toi. C'est toi mon Dieu. C'est toi. C'est vous les quatre vivants. C'est vous les quatre vieillards. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a plus rien qui sera caché. Et aujourd'hui, regardez comment les choses sont cachées. Regardez comment les choses sont cachées à nous. On n'arrive plus à faire la volonté de Dieu. On voulait faire nos propres volontés. Bien aimé, si tu veux faire la volonté de Dieu, tout le monde va t'insulter. Il faut être pressé un jour. Il faut être pressé. Et de là, non, on n'a pas voir le roi des croix. Et on voir le Seigneur des saints. Mais à quoi peut-on dire? Bien aimé. Dans l'Antonio. Bien aimé. Dans l'Antonio. Bien aimé. Dans l'Antonio. Sans vous mentir. Et bien aimé dans la paramiwa. Sans vous mentir. Bien aimé dans la paramiwa. Tous les jours. Yo-kataya. Tous les jours, Yo-kataya. Je dis à Jésus, il faut abréger le jour. On quitte ce monde. Il faut abréger le jour, Seigneur. Il n'y a pas amour ici. Il n'y a pas amour. Abréger le jour. Je veux rester avec toi. Aide-moi à faire tout ce truc que tu m'as confié. À le faire vite. Et le faire vite.
Aide-moi le faire vite. Pour régner avec toi. Pour voir Paul. Pour voir les pierres. Pour voir Étienne. Pour les dire comment tu as pu ce courage. Pour voir Jérémie. Comment tu as pu faire. Comment tu as pu cette audace. Il n'y a pas l'amour dans ce monde. Faisons vite pour quitter ce monde. Sinon, ça sera trop tard. Et tu ne pourras rien faire. Et ton homme sera détruit. Et pour toujours. Parce que regarde comment on est avarice. L'esprit d'avarice qui est en nous. L'esprit d'avarice a mon Saint-Esprit ne fait pas ça. Saint-Esprit, si on te demande quelque chose, donne-le si tiens. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes des hypocrites. On cherche nos propres intérêts. Jésus dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Vous ne voulez pas faire ce que je vous dis. Pourquoi vous ne voulez pas faire ce que je vous dis? Je dis toujours à maman, si tu m'aimes, accepte la sainteté. Vive tout ce que Dieu me dit. Il y a des choses que je n'ai jamais accepté de faire. À cause de paradis, j'accepte. Tu peux me critiquer. Et tu peux faire tout ton analyse. Et tu fais que je verrai mon Créateur. Et il va me consoler. Et toi, si tu veux aller au ciel, prépare-toi. Et